Salut, c'est Denok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale pour faire une idée de mise à jour et regarder quelques petits gameplays. Donc du coup, cette idée de mise à jour, ça serait l'usine à sort. Alors du coup, cette usine, normalement, je vais vous mettre les images à gauche et à droite de l'écran, normalement. Allez, on débloque ce petit coffre pour une prochaine vidéo peut-être. Voilà, donc je vais vous mettre un petit gameplay, peut-être, allez, je vous mets ça. Voilà, donc je vous mets ce gameplay, voilà. Donc du coup, cette idée de carte, en fait, ça serait une carte qui, en fait, tu la poses. Et quand tu la poses, en fait, ça va mettre comme... Bah, ça fera une usine à sort, en fait, là où tu la poses. Il y aura un temps de déploiement de 1 seconde. Et il faudra attendre 5 secondes pour que ça fabrique le sort. Une fois que le sort est fabriqué, ça va rien faire du tout. Et donc du coup, en fait, dès que, en fait, il faudrait le mettre à un endroit où il peut le détruire, l'adversaire. Parce que quand il le détruit, en fait, ça va faire comme... en fait, quand tu vas placer l'usine à sort, en fait, ça va faire un endroit où tu peux bah, la caler, quoi, l'usine à sort. En fait, après, ça ferait comme un sort, en fait. Tu peux placer un sort qui a un rayon à peu près de 3. Donc, tu peux placer un sort qui a un rayon de 3. Et aussi, tu peux attendre que dès que le sort est fini et dès qu'il détruit l'usine à sort, les ennemis, et ben, en fait, ça... Wow, c'était vite fait la victoire, là. Ouais. En fait, ça lance un sort. Par exemple... Si l'usine à sort est de niveau 1, et ben ça va lancer un sort de entre 2 et 3 d'élixir. Si l'usine est niveau 2, un sort de 2 ou 3 d'élixir niveau max. Après, si l'usine est niveau 3, un sort de 3 ou 4 d'élixir niveau que t'as, quoi. En fait, c'est le niveau que tu as des cartes. Après, niveau 3, enfin, attends. Non, niveau 4, donc du coup ça ferait des cartes de entre 4 et 5 d'élixir. Niveau 5, ça ferait des cartes entre 5 et 6 d'élixir. Après, niveau 6, ça ferait des cartes entre 5 et 6 d'élixir, mais qui sont améliorées d'un niveau. Après, des cartes entre... enfin, pour le niveau 7, des cartes entre 7 et 8, entre 6... Enfin, entre 5 et 6 d'élixir, mais encore à niveau supérieur, et ainsi de suite. Et donc, du coup, en fait, ça ferait ça dès que, en fait, quand tu la places, ça met là où tu vas placer le sort, et tu choisis où tu places le sort. Par exemple, tu peux le placer dessus, par exemple, si tu penses qu'il va l'attaquer de près et tout, tu vois, tu places le sort dessus, ça détruit tout. Ou voilà, ça peut faire une très bonne défense aussi. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette carte en commentaire. Après, j'ai aussi fait des images de comment ça peut être sur un gameplay. Voilà. Donc du coup, j'ai mis... je l'ai mis comme ça, qu'il y a un golem qui va dessus. Et je l'ai mis aussi comme ça, juste avec aucune troupe qui va dessus. Donc du coup, dites-moi ce que vous pensez, si c'est bien fait. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps à faire aussi. Donc j'aime bien avoir... votre aperçu des choses, et voilà quoi. Après, aussi, cette carte coûterait 4 d'élixir. Et aussi, dans la description, là, le par d'Ainok, je l'ai fait parce que c'est mon idée de carte, tu vois. Tac. Non, voilà. Donc, du coup, c'est 350 points de vie, 1 seconde le temps de déploiement, 5 secondes le temps de déploiement du sort, le spawn. Déploiement, je crois que c'est marqué un truc comme ça, 5 secondes. Après, aussi, il y a le comment ça s'appelle le temps de vie du truc, c'est illimité. Donc, en gros, tu peux en placer 5-6 dans l'arène. Le temps de truc, c'est illimité, mais tu vois, genre 4 d'élixir, c'est bien quoi, parce que c'est pas trop cher, mais en même temps, c'est un petit peu cher si tu l'as niveau 1, mais si tu l'as plus de niveau 1, c'est pas trop cher. Donc, du coup, c'est bien, moi je dis. Après aussi, il y a le. Quand il le détruit, il faut pas qu'il le détruit trop, trop vite, parce qu'après, il n'y a que 5 secondes pour le sort, en fait. Voilà.
Bon, c'était tout pour cette petite idée de mise à jour. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, là, on va partir au game en full légendaire. Ah, pas la pompe. Moi, ça m'a mis la pompe. Allez, c'est une petite. Allez, voilà. Allez, c'est parti pour un petit full légendaire avant de d'arrêter cette vidéo. 5 minutes, ça va. Eh, je suis fier de moi, hein, 5 minutes pour... Oh. Ah, ils vont taper, c'est pas grave. Voilà, donc ça, on met là. Ça, on met là-bas. Voilà, ça, c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas si bien, en fait. Ah. Oh, le boulis qui peut pas taper. Le boulis qui peut pas taper. Ouais, ça, c'était bien, ça. Ça, par contre... Eh, le boulis, il a pas pu taper de je sais pas combien de secondes. Ah, par contre, ça va faire mal, et oui. D'accord, donc on va partir sur une princesse ici. Oh non, le con. Oh. Allez, on met un mineur ici pour la princesse. 1 et 2. Et peut-être 3 coups à la tour, peut-être. Et oui, 3 tours à la cour. 3 tours à la cour. Non, 3 coups à la tour. Voilà la tour normalement qui devrait tomber s'il défend pas trop. Voilà, ça c'est parfait. On va lancer un baby dragon. Tac, le mineur qui arrive derrière aussi. Ouh, ça c'est bien ça. Voilà, le mineur là qui va arriver. Voilà, il a tapé la tour. 2 points de vie. Et oui, la tour qui tombe. Allez. Ouh. Voilà, ça on le place ici. Ça ici. Ça ici. Voilà, ça ici aussi. Voilà. Ça là. Ça ici aussi, la princesse qui est là, qui fait le taf. Voilà, on va placer ça aussi là-bas, du coup. Allez. Voilà. Ça ici, ça là aussi. Voilà, les trop sorciers qui défendent la princesse, parfait. Après, la princesse qui tombe quand même, c'est pas grave. On va placer ça ici. Petite bûche au pré-shot, non, il n'y a pas de pré-shot. Assis un petit peu quand même, voilà. 2 sur 3 qui tombent, c'est parfait, voilà. Allez, un autre coup peut-être, oui, un autre coup. Ça va faire mal, très 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 mal. C'est pas grave. Ah, la tour qui a reçu aussi quelques dégâts. C'est pas grave. On va peut-être partir sur un molosse de ce côté. Un mineur ici peut-être, un cimetière si on a le temps. Et si on arrive à placer le cimetière, c'est la victoire. Sûrement, sûrement. Allez, 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 allez. Et... On n'a pas gagné, mais presque. C'est pas grave. On va lui dire bien joué, super combat, tac. Et donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!